Conduire dans ta sainteté.
Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, nous te glorifions. Santa la bashi, Seigneur, oui, nous voulons encore exprimer ce désir de t'adorer, ce désir de t'élever, ce désir de te rendre gloire. Seigneur, nous t'élevons encore en ces lieux, Seigneur. Prends la place du grand roi, Seigneur, qui t'est dû. Viens, Seigneur, et prends la place qui t'est due, Seigneur. Établis ton trône de gloire au milieu de nous. Viens encore nous conduire, Seigneur. Viens encore nous emmener et nous emporter, Seigneur, là où toi, tu le désires, Seigneur. Nous voulons encore accomplir ta volonté ce matin. Nous voulons encore te rendre ce culte, Seigneur, que toi tu agrées ce matin. Merci encore d'être au milieu de nous. Merci au Seigneur d'être avec nous. Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue à notre culte dominical. Bonjour à vous qui nous suivez sur la plateforme YouTube. Que la grâce, l'amour et la paix de notre Seigneur soient sur chacun d'entre nous. Ce matin, nous sommes réunis pour rendre culte à celui qui nous a donné la vie. Honorer celui qui nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, nous sommes ensemble en Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans Éphésiens 2, du verset 4 au verset 7. Donc, Éphésiens chapitre 2, du verset 4 au verset 7. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Amen. En Jésus-Christ, yes. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors voyons l'infinie bonté de notre Seigneur au travers de ce passage que nous venons de lire. Voyons l'amour que Dieu nous porte, car il est digne encore de recevoir toute notre reconnaissance. Lui qui nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est lui que nous voulons encore honorer ce matin. Alors nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Nous allons demander au Seigneur de régner. Nous allons demander au Seigneur d'établir son trône de gloire au milieu de nous, d'établir son trône de gloire dans nos maisons. Nous allons lui demander d'accomplir sa volonté encore au milieu de nous. Et nous profitons en même temps pour nous purifier dans sa présence, pour renoncer au péché, pour demander encore miséricorde à notre Seigneur. Prions et remettons ce moment. Seigneur, que tu viennes, Seigneur. Viens, Seigneur, établir ton règne au milieu de nous, Seigneur. Nous demandons que toi seul sois le centre. Nous demandons que toi seul sois le maître. Nous demandons que toi seul règne, Seigneur. Nous demandons que toi seul sois au milieu de nous, Seigneur. Nous demandons que toi seul nous guide et nous conduise, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être emportés par toi, Seigneur. Nous voulons être guidés par toi, Seigneur. Plie ton trône de gloire. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos maisons. Viens régner dans nos vies, Seigneur. Établis ton trône. Nous voulons aussi nous purifier, Seigneur. Nous voulons nous sanctifier dans ta présence. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes nos offenses, pour toutes nos transgressions, pour toutes nos désobéissances. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous reconnaissons nos fautes au devant de toi, Seigneur. Nous demandons encore que ton sang précieux qui a coulé à la croix nous lave, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie, Seigneur. Nous voulons encore être purs devant toi, Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le pardon que tu nous accordes. Et que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant que nous sommes purifiés, lavés de tout péché, nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir souffler en ces lieux, de souffler en nos cœurs, de souffler dans nos maisons.
que l'Esprit de Dieu agisse, que l'Esprit de Dieu accomplisse son œuvre en nous, car nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Prions le Seigneur, invitons le Saint-Esprit, demandons à l'Esprit de Dieu de nous remplir, de nous conduire. Alléluia. Besoin de toi, ô Saint-Esprit. Viens souffler dans nos maisons. Viens souffler en nous, Saint-Esprit de Dieu. Souffle sur nous, ô Saint-Esprit. Rends-nous libres dans ta présence, ô Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh, agis en nous, Saint-Esprit. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous voulons te célébrer, Jésus. Nous voulons te dire, béni soit ton nom, ô Seigneur. Nous voulons te célébrer. Nous voulons célébrer ton nom, Seigneur. Alors là où tu es, fais déjà de la place, car nous allons célébrer l'Éternel. Nous allons célébrer le roi de gloire. N'hésite pas à esquisser des pas de danse pour ton sauveur. Nous allons lui dire, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh,
au-dessus de tout et il règne. Alors élève encore ton Dieu. Élève-le comme un étendard, telle une bannière dans les cieux. Désire et proclame encore son règne dans nos vies, dans l'église, dans ta famille. Proclame encore, alléluia. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions, Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'établissons encore maître de nos vies, roi dans nos cœurs, roi dans nos familles, Seigneur. C'est toi qui règnes, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de tout. Nous t'élevons au-dessus de tout, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de tout, Seigneur. Telle une bannière, Seigneur, telle un étendard, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de tout, Seigneur. Et c'est ton nom que nous proclamons, Jésus. C'est ton nom que nous proclamons, Jésus. Alléluia. Sois le maître dans nos vies. Sois le maître dans nos cœurs, Seigneur. Sois le maître dans nos familles. Sois le maître dans l'église. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne au milieu de nous, Jésus. Règne, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'élever. Nous voulons te rendre gloire encore, Seigneur, avec nos cœurs, Seigneur. Avec tout notre être, Seigneur. De toutes nos pensées, Seigneur, de toute notre force, Seigneur, nous voulons t'adorer. Au-devant de toi, Seigneur, contemplons ta gloire. Je peux entendre ta voix.
Dans la maison de l'Éternel. Dis-lui, oui, Seigneur, tel est mon désir. Je veux habiter près de toi. Dis-lui encore, Seigneur, je suis ébloui, Seigneur, par ta grandeur, ébloui par ton amour, ébloui par ce que toi, tu es, ce Dieu si grand et si puissant. Parle à ton Dieu. Adore ton roi. Adore ton sauveur. Yeah.
ressuscitant de soi, tu étais, alléluia. Même dans le jardin, tu étais là, alléluia. Arbre de vie, tu étais là, Seigneur, alléluia. Au temps des prophètes, tu étais là, alléluia. L'arche de la gloire, l'arche de l'alliance était présente, Seigneur. Et tu es venu sur cette terre, alléluia. Et tu as habité parmi nous, alléluia, sous la forme d'un homme. Ne pas t'élever, Jésus. Et lorsque tu es monté au ciel à la droite du Père, tu nous as envoyé ton Esprit Saint, Seigneur. Alléluia. Quel plan de grâce. Nous saluons ta grâce. Nous saluons ta grâce. Alléluia. Merci pour le salut. Alléluia. Alléluia. Sois glorifié. Sois adoré, Adonai. Sois adoré, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, ô Dieu. Gloire à ton nom éternel. Seigneur, le mystère de ta personne ne cesse de me saisir, de m'étonner, de m'éblouir. Seigneur, tu n'as pas été créé, mais tu es le Dieu qui est. Comment imaginer qu'en tout temps, Seigneur, tu as été, tu es et tu seras, Seigneur. Éternel, notre intelligence est si limitée pour comprendre, Seigneur, ta grandeur. Pour comprendre ta gloire, ta royauté. Seigneur, tu n'avais même pas besoin de sujet pour être roi. Tu n'avais même pas besoin de disciples pour être maître. Tu n'avais même pas besoin, Seigneur, d'adeptes pour être Seigneur. Mais tu es par toi-même. Tout en toi est complet. Tout en toi est parfait, Seigneur. Toi qui n'as besoin que de toi, Seigneur, pour avoir ta vraie valeur. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Et gloire à ton nom, parce que ta main est posée sur moi, Seigneur. Gloire à ton nom, parce que tu as choisi de poser ta main sur moi, d'environner ma vie de ta présence, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. C'est vrai comme ce chant le dit, ta main est remplie de grâce. En tout temps, Seigneur, à tout moment, Seigneur. Ta main est remplie de grâce et tu la donnes, Seigneur, à qui la veut, à qui la reçoit, Seigneur. Quel amour envers nous. Oh Seigneur, c'est avec toi, Seigneur, que je veux marcher, Seigneur. C'est pour toi que je veux vivre. Même lorsque je ne comprends pas, même lorsque je ne saisis pas, Seigneur, ton plan pour ma vie, c'est pour toi que je veux vivre, oh Dieu. Continue d'adorer ton Seigneur. Continue d'adorer ton Sauveur. Sa main de grâce est là. Sa main d'amour est là. Il est celui qui voit tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens. Sa main de grâce est là. Alors adore ton Dieu. Toi qui attends la guérison, adore ton Dieu. Qui est dans l'attente d'une bénédiction, adore ton Dieu. Adore. Car il règne. Il règne. Assis sur son trône. Il règne. Il est celui qui domine sur toutes choses. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Il est celui qui est au contrôle de toutes choses. Élève ton Dieu, élève ton Dieu. Seigneur, nous t'élevons encore, Seigneur, nous te rendons gloire, Seigneur. Tu es ce Dieu digne de louange, digne d'adoration, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, digne d'être appelé le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On dit qui est comme toi, Seigneur. Toi qui nous as vus, Seigneur, dans cette situation de pécheur. Tu as posé ton regard et tu as accompli ton plan merveilleux pour nous, Seigneur. Tu nous as sauvés, Seigneur. Oui, en toi nous avons la vie, Seigneur. Oui, en toi nous avons la guérison, Seigneur. Seigneur, en toi nous avons tout. En toi nous avons tout, Seigneur.
toi, Seigneur, nous t'élevons encore. Et nous voulons dire, Seigneur, nous voulons être ensemble avec toi. Ensemble avec toi, Jésus. Seigneur, c'est en toi que nous voulons demeurer. C'est avec toi que nous voulons être, Jésus. Et c'est ce que nous voulons te dire, Seigneur, en ce moment. Elongo Nayo, avec toi, Jésus. Père éternel, jusqu'au bout de notre parcours sur cette terre, avec toi. Et dans l'éternité, avec toi, Jésus. Alléluia. Como na yo, no lengue o salir, si canta, baila.
ton Seigneur. Acclame ton Dieu, acclame ton Sauveur. Il est digne, digne de notre louange, digne de notre adoration, digne de notre acclamation. Réjouis-toi dans sa présence, esquisse des pas de danse. Alléluia. Que notre Dieu soit élevé dans vos vies, dans vos vies. Alléluia à Jésus, alléluia, 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 amen, alléluia à l'agneau, alléluia à Jésus, alléluia, 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 amen, alléluia à l'agneau, alléluia à Jésus, alléluia, alléluia. Alléluia, l'agneau, alléluia, Jésus, alléluia, l'agneau. Alléluia, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, toute la gloire est à toi, toute la gloire est pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton esprit, Seigneur, qui nous aide à t'adorer, Seigneur, qui nous conduit, Seigneur, dans cette adoration qui t'élève et qui te rend gloire. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, toi qui nous conduis, toi qui nous dirige, Seigneur, toi qui déverse ta paix et ton amour en nous, Seigneur. Nous te bénissons et nous te disons merci, Jésus. À toi soit la gloire pour l'éternité. Amen. 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 Je vais inviter le prédicateur pour venir nous dispenser la parole de Dieu. Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce moment. Merci Seigneur pour ta joie, pour ton amour, pour ta paix que tu déverses au milieu de nous. En ce moment, nous voulons écouter ta parole. Laisse que ta parole, Seigneur, nous apporte la vie. Laisse que ta parole, Seigneur, Père éternel, nous restaure. Laisse que ta parole, Seigneur, de tout-puissant, nous corrige. Laisse que ta parole, Seigneur, vienne, Seigneur, Père éternel, ô Dieu, donner la paix. Que, Seigneur, Père éternel, tu puisses utiliser ton serviteur que tu t'es choisi en ce jour pour la gloire de ton nom. Qu'il parle de ta part, Seigneur, et que tout soit pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, c'est toi qui nous as rassemblés ici ce matin et ton amour infini nous touche. Seigneur, alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Ta grâce, cette faveur imméritée que tu nous fais, Seigneur. Chaque moment, chaque jour, de pouvoir communier avec toi. Seigneur, malgré nos imperfections, tu nous as encore invités à ta table. Tu nous invites à manger avec toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, ne rien rater. Nous voulons, Seigneur, recevoir tout de toi. Merci, Seigneur, pour le pain de ce jour. Merci, Seigneur, pour ta révélation. Merci pour ta lumière que tu envoies sur notre chemin. Alléluia. 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 Gloire à l'agneau, alléluia, alléluia, alléluia.
bénissons, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es élevé en dignité, en sainteté. Tout l'honneur, toute la gloire te reviennent, Seigneur. Toute la louange, Seigneur, te sied. Tu es le Dieu digne, digne, digne et encore digne de toutes nos louanges. Digne, Seigneur, que tous genoux sur la terre fléchissent, que toute langue sur la terre confesse que tu es Seigneur. Toi dont le sang a une valeur qui ne peut pas être estimée. Ton sang qui nous lave, ta parole qui nous transforme. Merci, merci Jésus d'être venu parmi nous. Alléluia, gloire à ton nom. Alléluia, amen. Amen. Bonjour, 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 shalom peuple de Dieu. Shalom, shalom peuple de Dieu à vous qui nous suivez là où vous êtes, à la maison, chez vous, dans votre voiture, là où vous nous suivez en ce moment, que le Seigneur vous bénisse. Je prie que la paix du Seigneur Jésus-Christ puisse vous visiter là où vous êtes. Et ceux qui sont avec nous ici, recevez le shalom de Dieu. Amen. Recevez le shalom de notre Seigneur. Nous allons aller dans notre étude de ce jour, nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu. Nous allons partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui pour que nous puissions grandir dans notre connaissance, pour que nous puissions aussi développer une intimité encore plus intense avec notre Dieu, parce que c'est le souhait aussi de notre Seigneur. Il veut que nous puissions développer une intimité avec lui, de telle sorte que chaque chrétien doit être façonné, doit être formé de telle manière que quand les vents soufflent, quand les tempêtes arrivent, quand quoi que ce soit se produit dans sa vie, il n'est pas emporté. Il n'est pas emporté. Le Seigneur nous envoie, le Seigneur envoie ses serviteurs pour que le peuple de Dieu devienne des véritables colonnes, devienne des véritables colonnes dans le temple du Seigneur, afin qu'il ne se laisse pas emporter par tout vent de doctrine, mais que la révélation du Seigneur puisse éclairer notre intelligence. Je prie que tu sois transformé par le renouvellement de l'intelligence en ce jour, dans le saint et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Voilà, nous allons lire deux textes que nous connaissons relativement bien. Deux textes que nous connaissons relativement bien. Le premier se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5. Actes des Apôtres, au chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Nous allons lire cette histoire. Je répète encore, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1 à 11. Nous lisons au nom du Seigneur. Il s'agit évidemment de l'histoire d'Ananias et Saphira. Nous la lisons. Cependant, je lis dans la version second 21, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, il apporta le reste, pardon, et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter, toi aussi. » Verset 10, « Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. » Amen. Amen. Nous allons dans notre deuxième texte de ce jour. Cette fois-ci, nous allons dans le tout premier livre de la Bible, à savoir la Genèse, bien entendu. Genèse chapitre 3. Nous allons lire du verset 6 au verset 13. Genèse chapitre 3, verset 6 au verset 13.
Nous lisons au nom du Seigneur. Genèse 3, 6 à 13. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et ils s'en firent des ceintures. Verset 8. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » Amen. Parole de l'Éternel. Voilà. Il s'agit de deux histoires que, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux histoires que nous connaissons relativement bien, l'histoire d'Ananias et Saphira. Nous allons commencer avec la première histoire, la toute première, celle justement d'Ananias et Saphira, et la deuxième, ça concerne nos aïeux Adam et Ève. Pour comprendre l'histoire d'abord d'Ananias et Saphira, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut mettre un petit peu le contexte dans lequel cette histoire se déroule. Donc, pendant cette période-là, les chrétiens étaient persécutés. C'est-à-dire que les disciples avaient quelque chose de très particulier à gérer, à savoir la persécution que les chrétiens subissaient à l'extérieur. Et en même temps, ils devaient gérer à l'intérieur, vu que les chrétiens s'étaient regroupés, avaient formé des communautés. Ils devaient aussi gérer toute cette communauté à l'intérieur, c'est-à-dire gérer tous les conflits, gérer les égos. Il y avait beaucoup de choses dont ils avaient la charge. Mais ce qui est intéressant ici, c'est ce qui nous emmène jusqu'à ce texte, c'est ce qui emmène jusqu'à ce texte. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'il y avait une convention. Tout le monde avait convenu que tout le monde allait vendre. Ceux qui avaient des possessions, ceux qui avaient des biens, revendaient. Ils vendaient tous leurs biens, toutes leurs possessions. Et ils emmenaient alors les recettes de leur vente, de la vente de ses possessions, ils le déposaient aux pieds des disciples. C'est ce qui était convenu, voilà, c'était pour que... Et cela étant, ça a permis qu'au milieu du peuple, il ne puisse y avoir aucun indigent. Parce qu'il n'y avait personne qui avait trop et personne qui n'avait pas assez. On distribuait de manière égale pour que tout le monde puisse avoir suffisamment. C'était vraiment une première économie tellement parfaite que je pense que si aujourd'hui le monde pouvait tourner de cette façon, je pense qu'il n'existerait aucun pauvre. Amen. Mais comme nous le savons, la cupidité a envahi l'espèce humaine de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a peut-être 2% de la planète qui possède 80% des richesses de toute la planète, 2% des personnes qui ont 80% de la richesse et les 20% de richesse qui restent, doit être les 98 ou les 98 autres pourcents des gens qui restent, qui doivent se le partager. Ça, c'est la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, alors qu'à l'époque, le Seigneur avait donné cette sagesse à ses enfants, cette sagesse à ses disciples, pour qu'ils puissent répartir de manière égale. Ceux qui avaient beaucoup de biens, ils les revendaient, ils avaient des recettes, l'argent qu'ils avaient, on le répartissait de manière égale entre les personnes pour que tout le monde puisse avoir de quoi manger, de quoi vivre. Alors, maintenant... Ce qui se passe, donc le principe, l'idée c'était celle-là, c'est que tout le monde puisse mettre ses biens en commun et que tout le monde puisse avoir ce qu'il faut. Maintenant, venu le tour de nos deux amis, Ananias, Monsieur Ananias et Madame Saphira. Alors, quand ils viennent, la question qui leur est posée, elle est quand même, hein, on a déjà été enseigné de nombreuses fois sur ça, la question qui leur est posée est quand même simple. Ils ont vendu leurs biens, ils ont gardé une partie de l'argent. Mais la question qui leur est posée, est-ce que ce que vous déposez à nos pieds, c'est l'intégralité de la recette que vous avez obtenue suite à la vente de votre propriété ou de vos biens? Est-ce que c'est tout l'argent? C'est une question simple, c'est soit oui, c'est tout l'argent, soit non, on a gardé une partie. Voilà. Mais c'est, voilà. La question est simple, en tout cas la réponse devrait logiquement être simple aussi. Mais on voit que la réponse est devenue très très compliquée. Au lieu de dire, parce qu'on nous a déjà raconté au départ qu'ils avaient vendu mais qu'ils avaient gardé une partie, au lieu de dire simplement « oui, nous avons gardé une partie », ils disent « non, oui, c'est effectivement l'intégralité de ce que nous avons reçu suite à notre vente ». Alors, souvent, je sais que les enfants de Dieu, et même moi-même personnellement, on a souvent été choqués par la brutalité de ce passage, en se disant
chrétiens. Ils ont juste menti. Et il a été frappé de mort immédiate. Et il y en a qui disent, mais finalement, on parle du Dieu du Nouveau Testament ou du Dieu de l'Ancien Testament? Est-ce que finalement la grâce a été là ou pas? Mais très souvent, ce qu'on oublie, c'est que Dieu n'a pas changé. Le même Dieu que les disciples servaient, c'est le même Dieu que Moïse servait, c'est le même Dieu qu'Abraham servait, c'est le même Dieu que Jacob, Isaac, etc. C'est le même Seigneur. Il a toujours autant de... Allez, la condamnation du péché est toujours dans son essence. Ça fait toujours partie de la réalité de notre Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé dans un temps où il y a la grâce que le Seigneur, soudainement, il a commencé à tolérer le péché. Non, c'est le même Dieu. Il s'agit du même Seigneur. Il est toujours aussi intransigeant envers le péché. Maintenant, ici, on va se dire, mais il y a peut-être d'autres choses qui se sont passées. Il y a des gens qui commettaient certainement des péchés. D'ailleurs, je viens de vous dire tout à l'heure que les responsables là, ils avaient pour responsabilité de gérer justement tous les égos, tous les conflits. Il y avait beaucoup de personnes, vous savez, c'est comme quand vous mettez des êtres humains ensemble, bah, il va surgir des égos, chacun veut s'exprimer, chacun voudrait dire, voilà, chacun voudrait être plus visible, chacun, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'exprimer, beaucoup d'intérêts personnels. Et ils avaient à gérer tout cela. Mais maintenant, le problème qu'il y a ici, il est dit, tu n'as pas menti seulement à nous, tu n'as pas menti seulement à nous, mais c'est à Dieu que tu veux mentir. Et je dis bien que tu veux mentir, même si dans la Bible, il est dit que tu as menti. Il dit que tu veux mentir parce qu'en vérité, on ne peut pas mentir à Dieu. Comment le ferais-tu? Comment ferais-tu? Lorsque je parle, ce que le Seigneur regarde, ce n'est pas la voix qu'il entend, c'est ce que mon cœur dit. C'est à l'intérieur du cœur qu'il regarde. Lorsque tu pries, ce n'est pas seulement la voix que tu élèves qui intéresse le Seigneur, mais c'est ce qui se passe à ce moment-là dans ton cœur. C'est ce qui fera que ta prière sera, oui ou non, un parfum agréable qui va remplir les coupes devant le Seigneur. Ça dépendra de la disposition de ton cœur, de la motivation de ton cœur, ce qui fait qu'il est absolument impossible de mentir au Seigneur. Et donc j'ai dit que nous avons qu'on ne peut pas mentir au Seigneur, et c'est ce qui leur est reproché. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que quand on regarde bien, tout le monde vend ses biens et les gens apportent. Il y avait peut-être des gens qui avaient très très peu, mais qui vendent quand même leurs biens. Supposons que moi aujourd'hui j'ai ce pupitre, j'en fais la vente, j'en obtiens peut-être 40, 50 euros. Mais maintenant, Ananias et Saphira, supposons qu'ils ont vendu leur maison. Qui valait peut-être 200 000 euros, 300 000 euros. Et ils prennent, je ne sais pas, on va dire, ils prennent 1000 euros et ils emmènent en disant, voilà, c'est ce que nous avons obtenu suite à la vente. Moi qui ai vendu ce pupitre à 50 euros, je me dis, ah, eux, ils ont emmené au moins 1000 euros. Moi, je n'ai emmené que 50 euros. En me disant, peut-être, je vais me finir par me retrouver avec des complexes, en me disant, ah, j'aurais peut-être dû vendre aussi mes chaussures. Et je commence à calculer et je commence à avoir des complexes par rapport à eux. Et c'est là que surgit le problème. C'est qu'on leur reproche qu'ils ont voulu se faire passer pour... ils ont voulu un peu se faire passer pour des gens qui sont plus généreux que les autres. Qui sont plus généreux que les autres. Et donc, ils ont voulu abuser même de la confiance de notre Seigneur. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà en train de fausser le témoignage de Jésus-Christ dans le subconscient des personnes. Ah, Dieu est-il injuste? Ah, Dieu agrée-t-il plus cela? Dieu fait-il exception de personnes? Le mensonge est un péché au même titre que les autres péchés. Mais lorsque nous essayons de tromper Dieu et ses enfants au sujet de notre relation avec lui, nous détruisons, je viens de le dire, nous détruisons le témoignage rendu à Christ. Et comme je l'ai dit, en créant des complexes qui pourraient déboucher sur d'autres choses. Je répète ce que je viens de dire en d'autres mots. Le mensonge reste mensonge. Mais quand on essaie de tromper Dieu, et bien sûr ses enfants, au sujet de notre relation avec Dieu, c'est-à-dire si tel que je me tiens là, j'essaie de vous montrer, de vous faire croire que j'ai une meilleure relation avec Dieu que celle que j'ai réellement, je fausse le témoignage de Christ. Voilà. Parce que quelqu'un qui va se retrouver en face de moi va penser, ah, lui, c'est vraiment le parfait. Alors que moi, je sais mes problèmes, je connais mes défauts, je connais mes faiblesses. Je fausse le témoignage et la personne qui va se retrouver en face de moi, certes, ça pourrait l'encourager dans un certain sens pour se dire, ah, je voudrais lui ressembler.
Mais c'est ce qui entraîne souvent la déception que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous voyons justement une personne que nous avions placée sur un piédestal, quand nous la voyons faillir, quand nous la voyons échouer, quand nous la voyons pécher. Parce que le témoignage ou l'image que nous avons donnée n'est pas la vraie image de ce que nous sommes réellement. Et c'est ça qui a été reproché à ces personnes-là, parce qu'ils étaient, c'était pas seulement leur propre chute, mais il y avait aussi la chute des autres. Mais nous allons y revenir dans un deuxième temps. Ça, c'était l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils ont été frappés de mort immédiate suite à leur mensonge, parce qu'ils n'ont pas déclaré l'intégralité. Et ils ont prétendu avoir déclaré l'intégralité de leurs revenus aux disciples. La deuxième histoire, c'est celle que nous connaissons le mieux. Je pense que même à l'école du dimanche, hein, on l'apprend déjà, Adam et Ève, le Seigneur les crée, il dispose toutes choses pour eux, alors il met tout à leur service. Ah, c'est dommage que je n'ai pas de musique, hein. J'ai un peu de mal à me concentrer sans un fond musical, mais je vais essayer. ça viendra. Donc, je disais, l'histoire d'Adam et Ève, nous connaissons, Dieu dispose le jardin, il leur donne des biens. Un peu comme à nous tous, le Seigneur nous donne énormément de choses. Mais imaginons, le Seigneur nous donne beaucoup, beaucoup de choses. Il dit, tu as droit à tout ce que tu veux. Mais il y a juste une chose que je te dis de ne pas toucher. Bizarrement, être humain que nous sommes, ce qui va nous attirer, c'est ce qui nous est interdit. Tu vas aller chez le concessionnaire, il te dit, tu peux prendre toutes les voitures que tu veux, sauf celle-là. Alors, tu vas te dire, pourquoi il ne veut pas que je prenne celle-là? C'est parce qu'elle a sûrement plus de valeur. Il y a sûrement une option qu'il n'y a pas dans les autres. Et comme tu ne l'as pas vu, tu supposes. Hein, c'est ce qui s'est passé avec nos bien-aimés ici. Ils commençaient à imaginer le péché comme étant un peu plus délicieux que ce que le Seigneur voudrait bien nous faire croire. Pourquoi est-ce qu'il nous interdit ça? En plus, cet arbre, il porte un nom un peu... Oui. Souvent la tentation, elle est souvent belle. Hein, elle est attrayante. C'est pour ça qu'on appelle la tentation. Elle nous tente, vraiment, vraiment. C'est pour ça qu'on dit qu'on... Mais si on pouvait un peu développer, on dirait que quand tu es tenté, il faut pas, ne pêche pas. Hein? Tant que tu ressens juste l'envie d'aller vers quelque chose, stop là tout de suite. Parce que quand tu franchis le cap dans ton esprit de te dire comment est-ce que je vais faire pour obtenir, le péché a déjà entré. C'est déjà trop tard. Parce que la suite de ça, ce sera de te saisir de la chose. Alors, nos bien-aimés sont là, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais il y a un arbre dont on leur a interdit de consommer le fruit. L'arbre qui porte le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et ils sont tentés, notre chère Ève est tentée, on ne revient pas sur le débat, elle en donne à son mari, on ne revient pas sur le débat, il n'y a pas de débat. Hein? Je dis simplement ce qui est écrit dans la Bible. Et puis, tous les deux en consomment, mais c'est à ce moment-là, ils savent ce qu'ils ont fait, lorsqu'ils ont mangé ce fruit, ils prennent conscience qu'ils sont nus. En fait, ce n'est pas simplement le fait de prendre conscience qu'ils sont nus. En fait, ils prennent conscience de leur culpabilité. Ils ont pris conscience du péché. C'est pour ça qu'ils se rendent compte qu'ils sont nus. Soudainement, on veut se cacher alors qu'avant, ils ne se cachaient pas devant Dieu. Parce que lorsque le péché vient, voilà ce qu'il produit, c'est qu'il crée la dissimulation. On veut se cacher. Ils ont pris conscience qu'ils étaient nus et ils se sont cachés. Et ce qui est encore très drôle, c'est que quand Dieu les interroge, regardez ce qui se passe, Adam accuse Ève, Ève accuse le serpent. Et le serpent, comme il était déjà déchu, on ne pouvait pas plus rien faire pour lui. Donc c'était déjà trop tard. Il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun responsable. Adam, qui est le chef de la femme, qui avait la responsabilité, ne prend plus ses responsabilités. Ève, qui a pris le fruit, qui n'est pas une pomme, encore une fois, on insiste. Elle non plus n'assume pas la responsabilité d'avoir pris le fruit et d'en avoir donné à son mari. Il n'y a plus aucun responsable. Au final, le responsable devient le Satan. Alors que Dieu avait déjà prévenu. Si Dieu n'avait pas prévenu et que Satan, venant se présenter comme étant comme un ange, il aurait pu les faire chuter. On aurait pu dire, bah oui, ils ne savaient pas. Ils ont des êtres qui sont là dans le jardin. Tout le monde est bon normalement. C'est toute la création de Dieu. Mais n'oubliez pas que l'histoire de la chute de Satan se passe avant la création. Donc il y avait déjà cette histoire avant. Et donc si Dieu les a interdits de toucher à ça, c'est qu'ils étaient déjà conscients. C'est que Dieu avait déjà placé en eux. C'est ce qui se passe lorsque nous péchons. Dieu a mis en nous quelque chose qu'on appelle la conscience, qui nous rappelle qui nous fait prendre conscience justement que ce que nous venons de faire n'est pas bon. Et c'est vraiment un détachement. Voilà ce qu'on appelle le péché. C'est vraiment le fait d'avoir cette coupure d'avec Dieu. Cette
ce brisement, c'est pas un brisement, mais le fait que quelque chose, une relation est brisée, un rapprochement que nous avions avec le Seigneur est brisé. Nous commençons, lorsque nous voyons le Seigneur, il nous rappelait, nous voyons sa bonté, sa fidélité, mais lorsque le péché vient, quand on regarde le Seigneur, ce n'est plus sa bonté qu'on voit. Maintenant, on voit son courroux. Quand on regarde le Seigneur, quand on est dans le péché, ce qu'on voit, ce n'est plus le Dieu d'amour, mais on commence à voir le Dieu qui sanctionne. Le thème de ce jour, c'est « Quand la ceinture manque ». Voilà, ça c'est le thème de ce jour, « Quand la ceinture manque ». Nous allons évidemment voir ce que cela entraîne lorsque la ceinture manque. On vient déjà de voir les histoires ici. Si certains ont peut-être déjà reçu la révélation avant même que je puisse continuer. Gloire à Dieu. Mais nous allons aussi voir ce que cela entraîne comme conséquence. Nous allons voir ce que veut dire cette ceinture. Et pour ça, nous allons relever deux moments. Il y a deux passages dans la Bible que nous allons relever. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui parlent des ceintures. Mais il y en a deux que nous avons retenus aujourd'hui. Parce qu'évidemment, on ne peut pas parler de tout. Mais nous allons parler de deux choses aujourd'hui. Le premier passage que nous allons lire se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 11, c'est le verset 5 qui va nous intéresser, mais nous allons un petit peu lire le contexte pour évidemment comprendre. Ésaïe chapitre 11, c'est le verset 5, mais on va lire, je pense, à partir du verset 1. Je vous confirme ça tout de suite. Voilà, à partir du verset 1, tout simplement. Nous allons lire du verset 1 et nous irons jusqu'au verset 8. Ok, juste pour que nous puissions comprendre, mais c'est vraiment le verset 5 qui nous intéresse. Ésaïe chapitre 11, nous lisons. « Puis un rameau poussera de la souche d'Ésaïe, un rejeton de ses racines. » Je lis dans la version second 21. « Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton. Et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. » Verset 5. La justice sera la ceinture de ses reins, qui est dit dans votre version. Et chez moi, c'est écrit comme une ceinture autour de sa taille. Et la fidélité sera comme une ceinture sur ses hanches. Dans vos versions, je ne me rappelle plus ce qu'il dit. Sur ses flancs, voilà. Sur ses flancs, sur ses hanches, ici c'est dit pour expliciter. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère et le petit enfant mettra la main dans la grotte du cobra. Amen. Ce sont des promesses très particulières. Le loup qui habite avec l'agneau, le nouveau-né qui met sa main là où il y a le serpent et en fait il ne se passe rien. Et puis le dernier qui est ici, oui c'est ça, le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. Et le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère. Vous imaginez un bébé qui est en train de jouer sur... Non, vous n'imaginez pas. Les promesses de Dieu. Il s'agit évidemment ici, le Seigneur est en train de parler de du Messie. Lorsque l'avènement de Jésus-Christ, ce que cela entraînera. Et on explique, on parle de cette personne qui est Jésus-Christ, notre Seigneur, Jésus le Messie. J'essaie de m'habituer à dire Jésus le Messie, parce que le Christ, ça veut dire Messie, ou un. Jésus le Messie, on parle de lui et il y a la description et à un moment donné on explique tout ce que sa venue entraînera et j'aime bien ce passage. Alors à ce moment-là où on parle de la ceinture, on dit que la justice sera la ceinture à ses reins, à sa taille, la justice. Donc on voit ici que la ceinture représente ou peut représenter la justice. Et après on parle aussi, la ceinture sera... la fidélité sera comme une ceinture sur ses flancs. Dans ma version, c'est écrit sur ses hanches. La ceinture. Donc la justice devient comme une ceinture
à sa taille ou pour ses reins. On va voir tout de suite. La justice ici dont il est question, c'est quoi? La justice, ce n'est pas simplement le fait de renoncer au mal. D'accord? Ce n'est pas simplement le fait de dire je renonce au mal et du coup, ça y est, c'est la justice. La justice, elle va plus loin. Ce n'est pas simplement renoncer au mal, mais c'est véritablement se tourner vers les autres pour pourvoir à leurs besoins. Voilà ce qui fait la justice de notre Seigneur. Toute sa vie a été consacrée aux autres. Toute sa vie a été pour les autres. Et il l'a donné. Sa vie. Effectivement, quand on dit qu'il l'a donnée, il l'a véritablement offerte pour nous, pour toi, pour moi. Donc, comme le titre d'aujourd'hui, on a vu que c'est quand la ceinture manque. Donc, quand la ceinture manque, il y a donc l'injustice. C'est évident. Vu que c'est la justice, quand on ne l'a pas, il y a la présence de l'injustice. Quand la ceinture manque, il y a l'injustice, il y a l'oppression. Il y a des personnes qui sont réduites à l'esclavage, que ce soit l'esclavage spirituel ou que ce soit l'esclavage physique, parce que ceux qui ont le pouvoir refusent de porter la ceinture. C'est la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans un moment, nous sommes en train de passer un moment dans l'humanité où il y a ce qu'on appelle en anglais le mind control, c'est-à-dire le contrôle des esprits. On vous rabâche les oreilles avec quelque chose pendant des jours et des jours dans les médias, de telle sorte que le jour où l'occasion va se présenter devant toi, spontanément, c'est ce que tu vas faire, c'est ce qu'on t'a appris à faire dans les médias. Voilà. Des gens sont réduits en esclavage. Pourquoi? Parce que les dirigeants de ce monde ont refusé de porter la ceinture. Ils n'exercent pas la justice. Ils ne sont pas tournés vers les autres. Et voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a un esclavage spirituel. Des gens sont soumis à l'esclavage et il y a un esclavage physique. S'il y avait la justice, il n'y aurait pas d'esclaves en Libye. Au jour d'aujourd'hui, il y a l'esclavage quand il y a l'injustice, quand l'iniquité s'est accrue. C'est la promesse qui a été faite dans la parole de Dieu. Il est dit, quand l'iniquité se sera accrue, dans les derniers temps, l'iniquité va s'accroître. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. L'amour devient froid. L'amour, c'est quelque chose de chaleureux. Quand on aime quelqu'un, on l'enlace. Mais l'amour devient froid. Quelqu'un t'enlace, mais tu sens comme si c'était la mort qui te prend. Ah oui. Voilà. Quand la ceinture manque, ce qui se passe. Quand on ne vit pas en ayant la conception, en ayant la pensée de la justice, en voulant, en recherchant à être juste envers les autres. Être juste envers les autres, c'est chercher le bien d'autrui, parfois même au détriment de mon propre bien. Parfois au détriment de mon propre bien. Chercher à l'épanouissement de mon prochain, même si moi je suis encore dans des souffrances, même si moi je suis encore dans les tourments, même si moi je suis encore dans l'attente, mais je cherche que ma soeur s'épanouisse. Je cherche que mon frère s'épanouisse. Je cherche que mon frère connaisse le succès. Et son succès devient mon succès, on l'a suffisamment dit. Sa joie devient ma joie. Hein, chez nous au Congo, on aime bien chanter, on répète toujours, Moninga Bali Sepela, on parle toujours du mariage, dans toutes les prédications. C'est tellement un sujet tellement clair et évident que bon, voilà. Quand l'autre se marie, réjouis-toi. Quand l'autre a une promotion, mais réjouis-toi. Parce que c'est notre maison qui avance. C'est notre famille qui pousse. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Mais quand la justice n'est plus là, l'iniquité entre, l'amour se refroidit. Et on commence à regarder l'autre. On commence à soupirer. Parce que les dirigeants de ce monde ont refusé de porter la ceinture. La deuxième lecture que nous allons faire, on a parlé ici de la ceinture qui est la justice, mais on a aussi parlé de la fidélité. Toujours dans Ésaïe, hein, je reste encore là quelques secondes. Dans Ésaïe, on a parlé aussi de la fidélité. Lorsque quelqu'un qui est fidèle, lorsque le Seigneur, dans sa fidélité, c'est-à-dire il dit quelque chose, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, cela devient aussi comme une ceinture pour lui. Je passe, on reviendra à la fin. Éphésiens chapitre 6. Verset 14. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Et on va lire plutôt à partir du verset 11 au verset 14. Voilà. Éphésiens 6, verset 11, pardon, au verset 14. Je lis.
Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, je vais le dire dans la version qui est la plus connue, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre, là je reviens ici, contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, verset 13, là on s'accroche, verset 13, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est pourquoi, prenez toutes les armes, je me suis arrêté là exprès, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais. N'est-ce pas que nous sommes dans le jour mauvais? Mais on a besoin de toutes les armes. Prenez toutes les armes afin de résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. À un moment donné, tu auras l'impression d'avoir fait tous les efforts. Oui, j'ai réussi à tenir jusqu'à maintenant. Mais si tu n'as pas les armes, tu ne pourras pas tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu as connu toutes sortes d'épreuves, tu as connu toutes sortes de déboires. Mais on te dit avec les armes ici, elles te permettront de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand tu dis, moi dans ma vie, combien, on a déjà dit ça, on a déjà entendu ça, moi dans ma vie j'ai tout vu. Ah ben oui, même moi je l'ai déjà dit, pourtant je n'ai pas tout vu. Chaque jour on découvre des épreuves qui n'existaient pas hier. Et les épreuves d'hier deviennent comme des choses, on se dit, mais comment est-ce que j'arrive à être triste avec ça? Comment est-ce que j'arrive à me laisser ébranler par ça? C'était rien, mais à l'époque c'était dur. Et on se disait, je croyais avoir tout vu. Moi, je l'ai dit plusieurs fois. Moi, j'ai tout vu dans ma vie. Je ne peux plus rien me montrer. Si, si. Il y en a qui souffrent plus que moi, j'ai souffert, évidemment, bien entendu. OK? Afin de tenir ferme, après avoir tout surmonté, verset 14, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et ici, dans ma version, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfiler la cuirasse de la justice. Je me permets de m'arrêter là, même si c'est pour ça que j'ai insisté sur le tout. Je vous invite à méditer sur ça, à lire toutes les armes. Non, je vais quand même les lire parce qu'il y a des gens qui ne reliront pas chez eux. Je vais lire jusqu'à la fin, d'accord? Et après, je reviendrai. J'ai vraiment la conviction de le faire comme ça. Enfiler la cuirasse de la justice. Verset 15. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Verset 16, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin ou toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et puis il y en a un qu'on oublie souvent, une des armes qu'on oublie souvent, elle est là, au verset 18, parce que souvent on pense que c'est fini. Verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est une arme. Ça fait partie des armes. Faites en tout temps par l'esprit, des prières inspirées par l'esprit, toutes sortes de prières, pas toujours la même prière, pas toujours des prières de requête. Seigneur, donne-moi, Seigneur, pense à moi, Seigneur, donne-moi. On a dit toutes sortes de prières. Tu demandes, tu dois adorer, tu dois intercéder, tu dois supplier, tu dois demander l'illumination. Il y a toutes sortes de prières, pas toujours la même. Veillez à cela avec une entière persévérance, on est dans l'année de la persévérance, et en priant et priez pour tous les saints. D'accord? Voilà les armes qui sont citées là. Ok? Je vous invite à lire tout ça et à méditer sur tout ça. C'est une étude dans laquelle nous n'allons pas nous plonger aujourd'hui parce que c'est un autre sujet. Aujourd'hui, nous allons parler uniquement de ce qui concerne la ceinture. Ici, nous voyons la ceinture, on en parle au verset 14. Et il est question du combat spirituel. Le combat spirituel. Comme les enfants de Dieu, c'est une expression très répandue au milieu des enfants de Dieu. Je suis combattu. Hier encore, quelqu'un a demandé, priez pour moi parce que je suis fort combattu. Voilà, on ne mesure pas toujours ce que ça veut dire. Hein. Parfois, c'est juste parce qu'il avait faim, mais il n'a pas ouvert le frigo et il dit qu'il est combattu. Voilà, c'est pas un combat ça. Hein. D'accord? Donc, quelqu'un a demandé, priez pour moi parce que je suis combattu. Bon, le combat spirituel, c'est là c'est de ça qu'il est question ici. Et nous savons que dans le combat spirituel, donc c'est un combat spirituel, c'est pas un combat physique. Nous savons que nous n'avons pas à lutter contre des êtres faits de chair dans le combat spirituel. Même si aujourd'hui, mon frère ou ma soeur vient m'agresser, même physiquement, il faut que je puisse développer une intimité avec Dieu qui est telle que j'arrive à voir quel est l'esprit qui anime la personne pour venir me frapper. Voilà, là on commence à entrer dans une autre sphère. Parce que quand on est
un être charnel ou un être naturel, ben simplement tu vas voir la personne, tu vas réagir en fonction de ce que la personne te fait, en fonction de ce que l'être physique t'adresse comme opposition. Mais ici, le Seigneur nous dit, la parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres faits de chair. Mais nous savons que nous avons à lutter contre des esprits mauvais qui sont soumis à Satan. Des esprits mauvais. Et quand on regarde, vous allez voir que la manière dont ils sont cités, on parle toujours des gens qui ont un certain pouvoir, une autorité. Des entités spirituelles. C'est-à-dire, quand nous avons à affronter le combat spirituel, c'est contre des personnalités spirituelles qui sont très puissantes, qui sont très influentes. Celles qui nous poussent à chuter très facilement. Celles qui nous poussent vers la tentation. Celles qui nous poussent vers l'impudicité. Celles qui nous poussent vers le vol. Celles qui nous poussent vers la débauche. Celles qui nous poussent vers la révolte envers Dieu. Celles qui nous poussent, ce sont ces entités-là. Elles sont très influentes. On ne doit pas les sous-estimer. On ne doit pas les sous-estimer. Raison pour laquelle le Seigneur lui-même n'a pas sous-estimé et il a inspiré à son serviteur, l'apôtre Paul, d'insister sur le fait que nous devons nous revêtir de toutes les armes. Mais nous allons nous arrêter sur une aujourd'hui, d'accord? C'était important que j'insiste là-dessus pour pas qu'on se dise qu'on a prêché sur les armes spirituelles et qu'il n'en a parlé que d'une et que c'est la seule qui compte. Toutes les armes. Mais celle qui nous intéresse dans notre étude d'aujourd'hui, quand la ceinture manque, nous allons parler de la ceinture. Et c'est au verset 14. Donc le Seigneur nous donne des armes pour vaincre toutes ces entités maléfiques. Et parmi elles, il y a la ceinture. Elle symbolise ici quoi? La vérité. La vérité. Et là, c'est là où nous stationnons et nous terminons même. Elle symbolise la vérité. Comment est-ce que la vérité peut-elle devenir, se transformer en ceinture? Comment est-ce que la vérité peut-elle représenter une ceinture? Bon. Je vais illustrer. Non, je ne vais pas illustrer, rassurez-vous. Je vais illustrer dans vos esprits, d'accord? Quand nous portons la ceinture, elle permet à notre pantalon de ne pas tomber. C'est simple, c'est clair, d'accord? Ok, donc ça c'est la première chose. Donc, elle permet à notre pantalon de ne pas tomber et elle permet aussi que notre nudité ne soit pas dévoilée. Donc, si je peux clôturer ici, quand la ceinture manque, voilà, vous avez compris, n'est-ce pas? Ceux qui sont sur YouTube, écrivez la suite. Quand la ceinture manque. Voilà. D'accord? Donc, cela empêche notre pantalon de tomber, notre nudité d'être exposée. Quand la vérité n'est pas dans nos vies, ce qui nous attend, c'est d'être exposé. C'est que notre être intérieur, l'être qui est toujours caché aux yeux de tout le monde, va devenir visible quand nous ne vivons pas dans la vérité. Nous allons rendre visible ce que nous avons entretenu pour que ça demeure invisible. Je vais expliquer. Parce que je vois des sourcils qui sont froncés. Je vais expliquer. Rappelons-nous simplement de l'histoire d'Adam et Ève que nous avons lu tout à l'heure, d'accord? Nous avons lu l'histoire d'Adam et Ève tout à l'heure. Donc je répète que quand la vérité n'est pas dans nos vies, ce qui nous attend, c'est d'être exposé. Adam et Ève, lorsque nous avons lu, regardez le verset 7, je vais le lire ici, et je vais le lire dans votre version, version seconde 1910. Le verset 7 dans Genèse que nous avons lu tout à l'heure, il nous dit, le verset 7 nous dit ceci, « Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et... » Attention, attention, accrochez-vous. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent quoi? Des ceintures. Ah. Ils n'ont pas fait seulement des vêtements. Hein. Ils ont fait des ceintures. Pourquoi? Pourquoi la ceinture? Pourquoi? Ça m'a interpellé. Je me suis dit, oh. J'étais en train de préparer cette méditation et puis je vais dans la concordance et je prends le mot ceinture et je commence à regarder toutes les références au mot ceinture qu'il y a. La première référence sur laquelle je tombe, c'est celle-là, alors que je n'y pensais même pas. Et je me dis, mais tiens, quand ils ont été exposés, quand ils ont pris conscience de leur péché, ce qu'ils ont cherché, c'est de mettre une ceinture. Ils ont vu qu'ils étaient nus, mais ce qu'ils font, c'est de prendre des feuilles de figuier pour faire une ceinture. C'est très bizarre. En fait, quand ils ont péché, ils ne vivaient plus dans la vérité. Ils ne vivaient plus dans la vérité. Et sachant que Dieu s'approchait, parce que c'est ce qu'il nous a dit quand le Seigneur s'approchait, ils ont tout fait pour essayer d'apparaître comme étant toujours dans la vérité.
comme étant toujours dans le vrai, et ils se sont fabriqués des ceintures. Ils ont pris la ceinture de vérité qu'ils ont essayé de fabriquer par elles-mêmes. Or, on ne la fabrique pas, c'est une arme spirituelle. Ils ont essayé de montrer à Dieu comme si on pouvait. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas mentir à Dieu. Ils ont voulu montrer à Dieu, ben regarde, tout va bien. C'est comme tu nous as laissé, la vérité est toujours là. Non, la vérité n'était plus là. Quand tu mets une ceinture sur rien, c'est comme si tu n'as rien, tu n'as pas mis de ceinture. Ce qu'on voit, c'est la même chose que si tu ne l'avais pas. Donc, ils se sont fait des ceintures. On ne peut pas bluffer Dieu parce que ce qui s'est passé, ça a entraîné automatiquement une conséquence. À partir de là, la mort est entrée dans le monde. La mort est entrée dans le monde et c'est cette même mort que vont subir Ananias et Saphira. Mais à cause du mensonge, quand nous péchons, nous nous retrouvons dans un état de mensonge, sauf évidemment, sauf repentance sincère. Normalement, on ne devrait même pas rajouter sincère à repentance. La repentance, tout court. La repentance, elle va jusqu'au bout. Le meilleur repentir, c'est de ne plus pécher. Donc, quand il y a le péché, on ne vit plus dans la vérité. On ne vit plus dans la vérité. Et c'est ce qui s'est passé avec eux. Ne vivant plus dans la vérité, n'étant plus dans la vérité de Dieu, n'étant plus transparent devant Dieu, parce qu'ils pouvaient être nus devant Dieu. En fait, ce sont des symboles. Le fait qu'ils étaient nus en permanence devant Dieu montrait qu'ils n'ont rien à cacher à Dieu. Absolument rien. Ce que tu vois, Seigneur, c'est ce que je suis. Ce que vous me voyez, c'est ce que je suis. Or, regardez maintenant au jour d'aujourd'hui ce que nous devons porter. On va porter des vêtements. Parce qu'aujourd'hui, on a appris à cacher, vu que ce que nous sommes n'est plus vraiment. Et maintenant, nous visons de plus en plus à revenir à l'état initial où Dieu nous avait créé. Pas être, je ne dis pas être nu physiquement, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Hein, mais oui, vous avez des scandales. Ce n'est plus possible. Mais en tout cas, devant le Seigneur, être transparent. N'avoir, on ne peut rien cacher à Dieu. Être transparent devant Dieu. La ceinture comme arme spirituelle. Si nous ne vivons pas dans la vérité, nous manquerons des armes quand le diable nous attaque. Nous manquerons des armes quand le diable nous attaque, ou en tout cas, notre armure ne sera pas complète. Vous avez vu, l'armure a été décrite. On a parlé du bouclier, on a parlé du casque, on a parlé de plusieurs choses. Mais quand la vérité n'est pas dans nos vies, quand quelqu'un, un enfant de Dieu, ne vit pas dans la vérité, il ne peut pas remporter le combat contre le diable parce qu'il lui manque une arme. Aujourd'hui, j'interpelle quelqu'un. Et quand je priais, je disais, Seigneur, fais-moi grâce aussi. Je t'en prie que je sois vraiment, vraiment vrai tout le temps. Et s'il y a l'exhortation, elle est donnée à des enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'au milieu des enfants de Dieu, il y a ces réalités-là. J'ai prié, je dis, Seigneur, aide-moi à être vrai, à vivre dans la vérité. Parce que n'est-ce pas que nous tous, nous voulons triompher de Satan? Il fait beaucoup de dégâts dans nos vies. On voudrait bien être comme les apôtres. Tu te retrouves devant une personne qui est possédée. Tu pries au nom de Jésus-Christ et la personne est délivrée. Tu vois, tu expérimentes la puissance de Dieu. Mais il te faut des armes pour ça. Parce que tu vas combattre. C'est un combat que tu mènes contre des entités spirituelles. Mais si tu ne vis pas dans la vérité, il te manque une arme. Certes, c'est une arme défensive. La ceinture, c'est une arme défensive, mais on va voir tout de suite ce qu'elle a comme particularité dans l'armure. Mais elle peut même devenir offensive. On va voir ça tout de suite. Donc, quand une ceinture, quand le soldat portait son armure, la ceinture, on la mettait évidemment au niveau des reins. D'accord ? Elle permettait non seulement de tenir le pantalon, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, donc de tenir la partie basse de son équipement. Mais elle avait aussi une autre particularité. Quand la ceinture était bien ceinte, quand elle était bien serrée, elle permettait aux soldats de pouvoir solliciter la force qu'il y a dans les reins. C'est-à-dire, par exemple, ceux qui font du sport ou qui font, par exemple, le volleyball ou le basketball, au moment où on doit sauter, qu'est-ce qu'on fait? On prend une impulsion, on s'appuie et on pousse dans les reins. Et on prend une force à l'intérieur et cette force va nous propulser vers le haut. Voilà. Ils puisaient la force dans les reins quand la ceinture était bien serrée. Ils n'étaient pas en train, vous voyez, si je dois combattre et que je suis en train de soulever comme ça mon pantalon, je ne peux pas avoir la même force. Par contre, si ça c'est bien serré et que je viens combattre, vous voyez, je tiens déjà ferme, je tiens déjà debout d'une autre manière. Et quand je vais attaquer, j'ai une impulsion qui part de là parce qu'il n'y a rien qui me bloque et je peux donner un coup qui est beaucoup plus puissant. Voilà ce que faisait la ceinture. Voilà ce que fait la ceinture. Quand on ne l'a pas, quand la ceinture manque, il nous manque la force aussi. Il nous manque la force aussi pour pouvoir,
pour pouvoir affronter l'ennemi. Il nous manque aussi cette force. Donc cette force que nous pouvons mobiliser lorsque nous avons bien serré notre ceinture, c'est-à-dire que lorsque la vérité, on la serre contre notre cœur, on chérit la vérité. Je n'ai pas peur qu'on sache qui je suis, qui j'étais. Je n'ai pas honte de ça. Parce que ce n'est plus moi qui vis. Je ne dois pas rester. N'essayons pas de préserver notre image au risque de détruire l'image de Christ. C'est souvent ce qui arrive. On veut sauver son image. Mais entre-temps, on salit l'image de Christ. Salit ton image, ce n'est pas grave. Ah, lui, il est là. Oh, cette soeur-là. Oh. Avant, il sortait avec un. Toi-même, tu as bien dit avant. Tu es en train de parler d'un mort. Je ne veux pas avoir honte de ça, je peux venir, je dis oui, c'était moi. Oui, c'était moi, tu parles bien de moi. Oh, mais tu es pasteur, non? Ah oui, et alors? C'était bien moi. Pas de camouflage, je préfère que mon nom à moi soit sali, mais que le nom de Jésus-Christ soit préservé. Que les gens viennent et qu'ils disent, waouh, il peut vraiment faire ça. Hier, j'ai été très édifié, j'ai été regarder un jeune frère, j'ai été regarder sa page, et il a donné sa vie au Seigneur en 2017, et... ce qu'il a fait, c'est qu'il sert Dieu aujourd'hui au travers de la musique. Mais ce qu'il a fait, c'est que sur sa page, il a laissé les images de ce qu'il était avant. Et puis, dans l'intitulé de sa page, il a écrit « Le Seigneur qui transforme, va jusqu'en bas ». Bon, je me suis dit « Je vais aller jusqu'en bas, n'est-ce pas ?» Et je suis allé jusqu'en bas et j'ai vu, il a laissé toutes les images de ce qu'il était. Et puis après, tu vois, à un moment, il y a un creux et puis il montre le début de ma nouvelle vie avec lui. Il écrit comme ça. Et là, tout ce qui vient après, le Seigneur le fait briller. Il n'a pas honte de ça. Il n'a pas honte de ça. Ce n'est pas qu'il est fier, mais il sait. Il sait ce qu'il est réellement. Ce n'est pas une fierté de dire oui, moi. Parce qu'il y en a certains qui vont jusque-là. Hein. Nous, quand on était. Oh, mais ce n'est pas une fierté. Mais non. Quand nous, on péchait, mais ça ne blaguait pas. Mais non. C'est quel genre de fierté? Il y en a d'autres qu'on peut avoir. Nous, quand on a été convertis. Ah, amen. Ah, oui. Quand le Seigneur est venu dans nos vies. Ah, oui. Ce n'est pas une fierté de parler. On en parle pour édifier, d'accord? On en parle pour édifier. Pour que quelqu'un qui se retrouve dans la même situation ne se dise pas, pour moi c'est impossible. Non, pour qu'il ne se dise pas, pour moi c'est impossible. C'est pour ça qu'on raconte les témoignages, pas pour être fier de notre passé. Maintenant, on va leur laisser le temps de témoigner. Quand ils arrivent au témoignage, tu te demandes à quel moment est-ce que le Seigneur est intervenu. Tu te poses même la question si le Seigneur est même déjà intervenu. Parce que tu as l'impression que la personne est toujours en train de savourer sa vie, là, quand il la raconte. Je ne juge personne. D'accord? Je ne vise même personne. J'ai des images comme ça qui me viennent, mais je ne sais pas qui. D'accord? Oh là 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 là. Quand la ceinture manque, on manque de force pour contre-attaquer. On entre dans nos conclusions, nous allons terminer. Le mensonge, ce n'est pas simplement dire quelque chose de faux, mais c'est aussi ne pas dire ce qui est vrai. Ah! Ce n'est pas simplement dire ce qui est faux, c'est aussi ne pas dire ce qui est vrai. Parce que quelqu'un pourrait se dédouaner en disant, ah ben moi, ça va, hein. Moi ça va, je mens pas. Mais en même temps, tu connais la vérité, tu ne la dis pas. Ça c'est grave aussi. Ça c'est grave aussi. On va voir tout de suite ce que ça entraîne comme conséquence. Beaucoup trop d'enfants de Dieu vivent encore une vie de dissimulation, voire une double vie. Chrétien à l'église, païen à l'extérieur. En bloquant ainsi l'accès à la vérité aux autres, nous provoquons la colère de Dieu. Bien-aimés, je vous ai parlé du témoignage, effectivement. C'est important de le savoir. Ça fait un petit moment que j'ai pu parler de ça, mais c'est important de le savoir. Je suis né dans une famille de pasteurs. Vous savez, quand vous naissez, je suis en train de préparer une chanson dans laquelle je vais expliquer tout ça. Je suis né dans une famille de pasteurs. Quand tu nais dans une famille de pasteurs, aux yeux de tout le monde, tu es un être automatiquement infaillible. Mais à tes yeux, à toi, tu sais combien tu es faillible. Donc, qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends à vivre malheureusement une vie de dissimulation. Et tu développes ça. Et tu développes ça. Et c'est pour ça que j'expliquais hier à une de mes sœurs en disant, vous savez, hein, souvent on a l'habitude de dire, de critiquer en disant, ah, les enfants des pasteurs, c'est les pires. Oui, c'est vrai que parfois on voit des choses très, très, très graves au milieu des enfants de pasteurs. C'est vrai, on ne va pas le nier. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que la vie dans laquelle tu vis, les êtres humains te poussent à vivre une vie de dissimulation. Et c'est pour ça que le Seigneur ne nous sauve pas parce que nous sommes enfants de pasteurs. Le Seigneur ne te sauve pas parce que tu es fils de diacre, fils de serviteur de Dieu. Absolument pas. C'est parce que toi, tu dois avoir ta propre relation avec le Seigneur. Ton salut viendra là. Le salut n'est pas un héritage. On n'hérite pas du salut.
C'est pas un, c'est pas un héritage via, via ton ADN, je veux dire. Voilà, tu vas pas hériter de ça via ton ADN. Il faut que toi, tu fasses aussi le pas un jour de servir le Seigneur. Et avec cette vie de dissimulation, ce que le Seigneur a fait, c'est exactement ce qui est raconté ici. Raison pour laquelle je me permets de partager ce témoignage pour que quelqu'un comprenne. C'est exactement ce que le Seigneur a fait ici. C'est-à-dire que la ceinture n'existant pas, vivant dans l'église sans la ceinture, sans la vérité, le Seigneur m'a exposé un jour. Voilà. Et j'ai dit merci à Dieu quand il l'a fait. J'ai dit merci au Seigneur le jour où il l'a fait. Parce que j'avais besoin de ça pour pouvoir commencer à vivre vraiment. Vous savez, quand vous êtes bien éduqué, j'ai une très bonne éducation de la part de mes parents, tu peux très très bien faire de la dissimulation. Parce que tu es très très bien éduqué, tu sais comment être poli avec les mamans, tu sais comment être serviable avec les papas, tu sais comment faire les choses très très bien. Tu as reçu une bonne éducation. Et personne ne voit rien. Ce qui fait que le jour où j'ai témoigné la première fois, je pense que même ma mère a dû tomber des nues. Mais quand est-ce qu'il a fait tout ça? Comme le jour où mon filleul a témoigné, son papa a dit, nous-mêmes, on s'est demandé quand est-ce qu'il y a eu tout ça. Ben oui. On se pose la question comme ça. Parce qu'on apprend à vivre comme ça à cause, malheureusement, des gens. Ce n'est pas une excuse, hein, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et le Seigneur t'expose. Et le jour où il t'expose, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, attention, faites le choix. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de le faire. Ne cherchez pas à vivre ça. Parce que quand tu es exposé, moi, c'était une bénédiction pour moi. Parce qu'enfin, je pouvais vivre véritablement. Et je pouvais enfin développer maintenant et rechercher pleinement la face de mon Seigneur. Mais pour d'autres personnes, ça cause des dégâts. Il y en a qui partent. Il y en a qui partent parce qu'ils ne veulent pas être révélés. Ils ne veulent pas de ça. Ils veulent tellement entretenir leur propre image qu'on s'en fout même que l'image de Jésus-Christ soit salie. Quand il y a eu ça, je me suis dit, Seigneur, merci. Maintenant, je vais vivre. Et quand je vais changer vraiment, Seigneur, je te servirai d'une telle manière que les gens verront que tu es le Dieu qui est capable de changer véritablement quelqu'un. Parce qu'on saura qui j'ai été. Et on saura qui je suis devenu. Et on saura que ce n'est pas moi. On saura que c'est toi qui fais ça. L'image de Jésus-Christ est préservée. Jusqu'à aujourd'hui, être imparfait. Mais jusqu'à aujourd'hui, Dieu toujours parfait. Toujours, Dieu est toujours parfait. Mais toujours, moi, je suis toujours imparfait. Nous sommes toujours imparfaits. La grâce de Dieu. Et je disais tout à l'heure que quand nous cachons, au fait, quand on vit cette vie comme ça, on cache la vérité aux autres. Et quand on cache la vérité aux autres, on provoque la colère de Dieu. Il est dit dans Romains 1, verset 18. Je l'ai partagé récemment dans les vidéos que je fais quotidiennement. Romains 1, verset 18. Il est dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement quoi ? La vérité captive. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui détiennent injustement la vérité captive. Quand tu gardes la vérité, pas seulement quand tu ne la dis pas, mais quand tu vis une vie qui donne l'impression que... Et donc les autres ne savent pas ce qu'il faut faire. Tu caches la vérité aux autres, tu provoques la colère de Dieu. Tu provoques la colère de Dieu. Tu empêches les enfants, des personnes de connaître Dieu à cause de ton comportement. Que ce soit un comportement mauvais ou que ce soit un comportement mauvais. C'est-à-dire un comportement de dissimulation. Tu es paré très bien, mais tu vis dans la dissimulation. Et à côté de ça, tu fais chuter d'autres personnes. Tu es dans le viseur du Seigneur. Et il peut te sniper très très bien. Tu es dans le viseur du Seigneur. Par ton comportement, tu fais chuter les autres, c'est-à-dire tu caches la vérité. Tu salis, tu caches le témoignage de Christ. Les gens ne voient pas Christ. Alors que tu as chanté le jour de ton baptême, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah bon? Quand Christ vit en quelqu'un, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que ça ressemble à ça quand Christ vit en quelqu'un? Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est à ça que ça ressemble, les nouvelles choses. C'est la même chose qu'avant, voire même pire. Problème avec le Seigneur. Nous avons parfois du mal, parfois avec, on est bien animé, de bonnes intentions, on a envie de dire la vérité, mais les circonstances ou parfois les épreuves ou parfois des défis qu'on rencontre nous poussent parfois à dire des mensonges. Tu te retrouves devant une situation, tu as le choix. Si je dis ça, j'obtiens mes papiers. Si je dis ça, j'obtiens mon travail. Si je me présente comme étant un tel homme, cette femme va m'épouser. Donc je vais me présenter comme ça. Mais en sachant qu'en vérité, tu es comme ça. Tu fais ça parce que tu veux obtenir quelque chose ou tu fais ça pour échapper à un danger ou pour quoi que ce soit. Tu vis, du coup, tu entretiens une vie de mensonge. Et
rappelons-nous que parfois nous avons du mal à dire la vérité, mais rappelons-nous une chose avec laquelle nous terminons. Rappelons-nous une chose, c'est que l'absence de vérité dans nos vies, c'est exactement l'absence de Jésus. L'absence de vérité dans nos vies, c'est l'absence de Jésus-Christ. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi, nul ne vient au Père que par moi. L'absence de vérité. Si tu ne vis pas dans la vérité, ça témoigne tout simplement que Jésus-Christ ne vit pas en toi. Ouais, c'est très très dur. C'est pour ça qu'ils ont été frappés de mort. L'absence de Jésus-Christ, c'est la présence du péché. Vous imaginez, si au fait, en gros, comprenons ceci. Si Jésus-Christ n'est pas en nous, il n'y a qu'une seule destination que nous avons, c'est que Dieu doit nous frapper de mort immédiate. Parce que nous nous présentons devant Dieu sans Jésus-Christ, sans le filtre du sang de Jésus-Christ. Tu te présentes avec ton péché devant Jésus-Christ. Hébreux 11:1, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Tu te présentes devant Jésus-Christ, devant le Père sans Jésus-Christ. Danger. Comment aller au combat sans ceinture? Quand tu vas vouloir combattre le diable, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, il va même pas se battre contre toi. Il va juste te rappeler. Il va juste te rappeler tout ce que tu n'as jamais voulu avouer. C'est tout. Et il a gagné le combat. Raison pour laquelle nous-mêmes, hein, celui qui se juge lui-même ne sera pas jugé. Prenez-le comme ça. Parce que le diable, lui, ne va pas se priver. Oh. Même des gens qui n'ont aucune culpabilité, aucun mal, il a réussi à les accuser. Il a été accusé Job devant Dieu, n'est-ce pas? Il te sert parce qu'il a tellement de bien. Ah, attention. Alors maintenant, si véritablement il a une raison de nous accuser, vous croyez qu'il va se gêner? Il ne va pas se gêner. Il ne se gêne pas. Alors, des fois, il m'accuse comme ça et puis après, je dois négocier avec le Seigneur. Tout va bien? On entend toujours? Voilà, ok. Il va juste te rappeler ce que tu n'as jamais voulu avouer, ce que tu n'as jamais voulu déclarer. Et la honte qui te couvrira va faire que tu vas perdre le combat. Appelle Jésus-Christ dans ta vie simplement pour que le mensonge disparaisse. Et aujourd'hui, l'Église souffre beaucoup du mensonge. Souffre parce que le mensonge, c'est parfois camoufler notre cupidité. C'est parfois camoufler notre malhonnêteté. Parfois, nous sommes très malhonnêtes. Si chacun se regarde vraiment soi-même, tu vas dire, non, quand même, les dispositions de mon cœur sont mauvaises. Il faut que je change. Et l'Église souffre de ça. Pourquoi? Parce que pour que le Saint-Esprit puisse agir pleinement au milieu de nous, il faut que nous puissions vivre dans la vérité. Et c'est ça évitera que nous puissions nous retrouver à avoir des jalousies les uns envers les autres en se disant, ah, lui, le Seigneur se manifeste chez lui, mais moi, lui, le Seigneur fait. Mais oui, mais parce que nous ne sommes pas encore un corps. Si nous sommes un corps, regardez ce qui s'est passé dans l'Église primitive. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble, tous recherchant les mêmes choses. Et en étant ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Des conversions. En une journée, 3000 personnes qui se convertissent. Quand est-ce qu'on a vécu ça ici? Même dans les plus grosses campagnes d'évangélisation, 3000 personnes. Et le Seigneur rajoutait chaque jour au nombre de ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, il y avait des gens qui se rajoutaient. Est-ce que chaque jour dans ta vie, il y a des gens qui se rajoutent pour suivre le Seigneur à cause de ton témoignage? Vivons dans la vérité. Invitons Jésus-Christ afin que le mensonge disparaisse de nos vies. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci d'être la vérité en nous. Seigneur, je veux te prier pour quelqu'un. Quelqu'un qui vit dans la dissimulation. Quelqu'un qui aimerait, Seigneur, s'en sortir. Mais qui a parfois été trop loin et qui ne sait pas comment revenir en arrière. Seigneur, je te prie que tu revêtes cette personne de courage afin qu'elle s'approche, Seigneur, qu'elle s'approche de toi. Seigneur, si tu le souhaites, que ce soit par le biais de tes serviteurs, Seigneur, que cette personne s'approche de toi par le biais de tes serviteurs. Et qu'ô Dieu, qu'une véritable confession se fasse, qu'une véritable repentance se fasse, qu'une vie nouvelle s'enclenche dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, revêt-nous véritablement de ces armes, de cette arme. Nous voulons être revêtus de toutes les armes, Seigneur, et nous ne voulons pas négliger l'arme de la vérité. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans la vérité tous les jours de notre vie, de ne pas être double, de ne pas, Seigneur, de ne pas être une autre personne à l'extérieur que ce que nous sommes dans ta présence, ô Dieu, parce que toi, tu sondes les cœurs et les reins et tu sais ce que nous sommes réellement. Papa, je te prie, Seigneur, afin que tu nous pardonnes, que ta grâce agisse encore une fois. Seigneur, je crois véritablement que si tu as envoyé ta parole aujourd'hui, c'est parce que tu veux encore, tu nous laisses encore l'occasion de revenir à toi. Seigneur, et je veux vraiment prier en te disant, papa, aujourd'hui j'entends ta voix,
et je ne veux pas endurcir mon cœur. Seigneur, aide-moi à vivre dans la vérité. Aide-moi à vivre dans la transparence. Aide quelqu'un, Seigneur Dieu. Aide quelqu'un, Seigneur, à sortir de la vie de mensonge. Aide quelqu'un à sortir des ténèbres, Seigneur, dans lesquelles il s'est plongé. Et que véritablement nous puissions vivre dans ton église. Nous puissions vivre dans ton église, Seigneur. Nous puissions vivre dans ton église. La puissance de ton Saint-Esprit qui se déploie au milieu de nous. Seigneur, que toute la gloire te revienne aujourd'hui et pour tous les siècles, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, gloire au Seigneur. Que l'Éternel soit béni pour sa parole. Merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour ton serviteur que tu t'es utilisé, Seigneur, pour nous dispenser, Seigneur, ta parole, Seigneur, que tout ce que nous avons pu entendre, recevoir de toi encore aujourd'hui, Seigneur, cela puisse porter du fruit en nous, Seigneur, afin que nous puissions demeurer en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés au moment des offrandes, donc nous allons préparer nos applications et nous allons apporter à Dieu nos offrandes. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci et nous voulons t'apporter dans la vérité, Seigneur, comme tu viens de nous exhorter encore et de nous enseigner. Père, bénis les offrandes que nous allons t'apporter, Papa, et que nous puissions te donner nos vies réellement, Seigneur. Sois béni encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons louer le Seigneur, nous allons encore le célébrer, nous allons encore danser pour notre roi en apportant nos offrandes, en apportant à Dieu. Yeah.
Culte. Donc les annonces habituelles sont affichées sur vos écrans. Donc si vous voulez plus d'informations concernant donc, nos rendez-vous, vous pouvez aller sur notre site internet. Donc si vous cliquez en bas à droite sur le petit onglet, vous verrez l'adresse email qui va s'afficher, enfin l'adresse internet plutôt, qui va s'afficher et vous pouvez voir toutes les informations nécessaires. Voilà, je vais inviter le pasteur MJ pour bien vouloir nous reconduire et clôturer ce moment. Ceux qui sont de la fraternité, on nous rappelle qu'il y a l'Assemblée Générale qui aura lieu le samedi prochain. Donc n'oublions pas ce rendez-vous. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous te bénissons. Nous te bénissons pour cette journée. Nous te bénissons pour ces moments, Seigneur. Nous croyons que, véritablement, comme il est dit dans ta parole, voici le jour que l'Éternel a fait. Merci Seigneur pour ce jour. Merci pour la conduite de ce programme, Seigneur Dieu. Merci pour ta servante de qui tu t'es servi, Seigneur, pour qu'elle puisse conduire ce programme. Merci pour tous les chantres, Seigneur Dieu, qui nous ont conduits dans ces merveilleux moments d'adoration et de louange et de célébration. Merci, Seigneur, pour tous les instrumentistes, Seigneur, que tu as disposés pour que la louange vers toi, Seigneur, puisse monter comme cela doit se faire. Merci, Père, pour toute l'équipe d'audiovisuel, Seigneur, qui a travaillé d'arrache-pied, Seigneur, pour que ceux qui sont partout dans le monde puissent recevoir, entendre ton message de ce jour. Merci pour la présence de tes serviteurs. Merci pour chaque personne qui a passé ce moment dans ta présence.
Merci pour toutes les équipes, pour tous ceux qui travaillent dans l'ombre, Seigneur Dieu, pour que vraiment ta vérité soit proclamée. Merci, Père, d'apporter cette lumière au milieu des nations. Papa, je te bénis pour tout celui qui s'est connecté, Seigneur, et tout celui qui s'est surtout connecté à toi, Seigneur, ce matin, et qui a reçu de toi, Seigneur, la révélation et la lumière dans sa vie. Merci, merci pour ce que tu as commencé, pour ce que tu continueras à faire et pour ce que tu vas achever. Et nous proclamons et nous le croyons, Seigneur, que ta parole ne retournera pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé dans ce monde, en ce jour, dans ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Merci de nous avoir bénis. Seigneur, nous sommes venus t'apporter, Seigneur, nos chants. Nous sommes venus t'apporter, Seigneur, nos prières. Mais nous avons tellement, tellement reçu de toi ce matin, Seigneur, que nous partons revigorés, que nous partons, Seigneur, requinqués. Nous repartons, Seigneur Dieu, transfigurés. Nous repartons, Seigneur, avec une démarche nouvelle, Seigneur, parce que tu as accompli des choses merveilleuses. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Père, je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, que ta grâce, ton amour, ta paix, ta joie soient l'héritage de chacun de tes enfants, Seigneur. Qu'ils reçoivent de toi, que nous recevions de toi, Seigneur, ce que toi tu veux bien nous donner. Merci que tu nous préserves, Seigneur, que tu nous gardes tous en toi en tout moment. Père, qu'aucun d'entre nous ne se perde dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis les nations, bénis tous tes enfants dans le monde, Seigneur. Soutiens, fortifie ceux qui s'affaiblissent, Seigneur. Fortifie, Seigneur, ceux qui sont persécutés, Seigneur notre Dieu. Et que ta grâce repose sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons terminer en disant, Seigneur, qu'en toutes circonstances, nous croyons que ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit véritablement et nous voulons continuer à vivre dans ta vérité. Merci pour ta lumière que tu as envoyée. Que cette lumière continue à jaillir dans nos vies, aujourd'hui et pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous nous retrouvons donc sur la plateforme Zoom pour fêter les anniversaires. Passez un bon dimanche. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du bleu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su. Je veux.